un petit peu d'exercice tous les matins et même dans la journée, c'est extra pour la santé. Salut la compagnie! Comment ça va? Bien, j'espère. Hier, ma maman, elle me cherchait partout. Elle m'a cherché partout. Hier ou avant-hier? Je sais plus. Ouais, elle m'a fait mon plat préféré, c'était carottes avec des œufs. Et ben, je me suis régalé. Alors aujourd'hui, on va faire la recette du pain, mais c'est spécial. Parce que dimanche passé, je vous avais montré une recette du pain qu'on fait à la maison. Et vous savez, le pain qu'on fait à la maison, on utilise de la farine. Ouais, la farine qui est là. On utilise, ça c'est facile, c'est de l'eau. De l'eau, E-A-U. Et puis, on utilise chez nous à la maison de la levure. De la levure, ouais. C'est une sorte de poudre. C'est une poudre qu'on met dans la farine, dans le bol, pour faire lever la pâte. Lever la pâte, ouais. Et puis, ça donne des bons pains. Mais aujourd'hui, c'est spécial. On va voir comment se fabrique le pain. Je tousse encore, dis donc. Le pain chez un boulanger. Alors, et puis, on a de la chance parce que Jack, mon copain Jack, il a été d'accord qu'on le filme à faire son pain, à le faire même griller dans son four. Enfin non, pas griller, cuire, ouais, cuire. Vous verrez, il y a un joli feu de bois. Alors lui, il utilise pas de la levure, mais il utilise, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise le levain. Le levain, oui. Le levain, c'est une sorte de pâte. Une pâte. Une bonne pâte. Mais on en utilise un tout petit peu. C'est une sorte de pâte qui fermente. Et puis, en fermentant, eh bien, quand on le mélange à la farine, et puis à l'eau, et puis qu'on met un tout petit peu de levain, et ben le pain, il va gonfler, gonfler. Et on va voir tout ça. C'est parti. Allez, à tout de suite, après la fabrication du pain. Ciao, ciao. Qu'est-ce que tu nous mets là-dedans, Jack? Ça, c'est la vie. La vie? La vie, le levain. C'est la magie de la vie, ça. Tu vois comme il flotte. Et pourquoi à pieds nus, Jack? Être en lien avec la terre, enraciné dans ce que je fais, en lien avec la nature, en lien avec mon créateur. Pour avoir du bon gras, il faut avoir du bon blé.
Pour avoir du bon blé, il faut avoir beaucoup de sous. Pour avoir beaucoup de sous, il faut très bien travailler. Pour très bien travailler, il faut avoir la santé. Pour avoir la santé, il faut manger du bon pain. De la vigueur à la miche. Ah ouais. Faut être vigoureux dans la miche, toi. Mais qu'elle est belle. Oh. Magnifique. C'est beau. Son feu, moi aussi, et je crois que je vais dormir, et puis je vous réveille à 5h du mat. Allez, à la prochaine, bonne nuit, allez, bonne soirée, fête de beau rêve.